Le droit constitutionnel, il vaut mieux le voir de haut que de le voir de près, parce que par les temps qui courent aujourd'hui, ça peut changer souvent. Qu'est-ce que tu as eu? Rituel, science sans conscience n'est que ruine de l'art. Sera balayé de toutes les sessions, tu as développé comment? Classique, introduction conscience chrétienne d'une part et conscience athée d'autre part, puis deux copies sur l'atome. Science sans conscience, car science de mort non intégrée sur le plan de l'âme... Et désintégrante sur le plan de corps. Bravo, 29 sur... Il faut y aller. Et si ma tête lui revenait pas? Elle lui reviendra. De toute façon, même si ça lui plaisait pas, même si nous mettait des bâtons dans les roues, je te ferai une flopée de gosse. Antoine Lartigue. Monsieur, enchanté. Je vous préviens qu'elle a un sale caractère, hein. Alors, qu'est-ce que t'as eu comme sujet? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ah ben, dis donc, et t'as su répondre? Deux copies et demie. T'as un cerveau, ma fille. J'ai épousé un cerveau, là. Mais vous l'avez, votre bachot? Bien sûr, puisque j'ai ma licence en droit. Ah oui? Mais alors, vous le serez quand, avocat? Ben, monsieur, dès que j'aurai passé mon doctorat. Et c'est long, ça? 2 ans. Remarquez, je vais commencer à gagner ma vie comme stagiaire l'année prochaine. Ah bon? Eh, les petits enfants, moi je trouve que votre mariage est un peu prématuré. Hein. C'est puisqu'on s'aime. On s'aime, c'est le grand truc ça maintenant. Vous pouvez pas attendre un peu pour être sûr de vos sentiments? Vous savez, un amour, on sait tout de suite, ou alors on ne sait jamais. Ah ben, ça c'est bien vrai. Je trouve que vous êtes des drôles de rapides. J'ai attendu 3 ans, moi, pour épouser ta mère. Toi, c'était avant-guerre. Ah, parce que tu crois qu'on s'aimait pas avant-guerre? Hein? Naturellement qu'on part ce soir. On est en vacances. Et puis c'est ce qui était convenu. Mais convenu avec qui? Avec mon père. Enfin écoute, le père d'Antoine dans sa dernière lettre a dit qu'il nous attendait le 16, puis on est le 15. Ben, je sais qu'il m'a écrit ça, mais moi je lui ai pas répondu. Tu porterais ta lettre. Et t'attends même pas le résultat de ton examen? C'est dans 15 jours, puis de toute façon je t'ai reçu. T'es reçu, t'es reçu, et si tu ne l'es pas reçu? Vous savez monsieur, reçu ou pas reçu, moi j'ai épousé de toute manière. Hein. Eh ben, vous m'avez l'air sérieux tous les deux. Allez-y. Ça a bien marché tantôt? Oui, très bien. Oh, dis donc, n'oublie pas que tu connais pas Antoine. Bah, évidemment. Ah, maman, je te présente le fiancé de ta fille, monsieur Antoine Lartigue. Santé, madame. Bon, dis donc, qu'est-ce que c'est la question qu'ils t'ont posée? Écoute ça, maman. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Dis donc, hein? Ça ah, va? Elle voulait de canon. J'ai le premier prix. Calcul? Non, gymnastique. Eh ben, j'avoue qu'à défaut de tête, t'as une bonne santé, hein? Bonjour, j'appelle Florence. Bonjour, Florence. Bon, bah, allez, va faire tes devoirs. Je suis en vacances. Allez. Ah, ma fille aînée, Sophie. Mademoiselle. Monsieur. Allez, les enfants, venez m'aider. Allez, débarrassez le plancher. Mais passez par ici. Alors, on va voir ma femme de sommeil là. Tenez, ça doit être votre place. Petit apéritif? Oui, avec plaisir. Vous savez que c'est la première fois qu'on va passer l'été sans mari, hein? Oh, vous savez, monsieur Malouin, 3 semaines, c'est vite passé. Oui, bien sûr. Mais enfin, ça fait tout de même 3 semaines. Alors, vous l'aimez? Oui, monsieur. Comptez-vous marier quand? Ben, le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, dans votre esprit, ça représente quoi comme date? Ben, après les vacances. Et votre père, qu'est-ce qu'il en dit? Ben, il est content pour nous. Il connaît même pas Marie. Ah oui, mais je lui ai tellement parlé d'elle que pour lui, déjà, c'est un peu sa fille. Vous allez peut-être dire que je me répète, hein, mais moi, je trouve que vous vous aimez à une vitesse extraordinaire. À table, les enfants! Ben... Papa, t'es à ma place?
Ben, oui, quoi, ben, on n'a même pas eu le temps de prendre l'apéritif. Oh, ben, dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir, hein? L'assiette. Bon, ben, dis donc, à notre bonne santé quand même, hein? Et puis, comme disait ma grand-mère, renfonce avant qu'il ne pleuve. C'est à quelle heure, votre train? 22h30. Oh, ben, il est pour 21h, vous avez le temps. Moi, j'aime bien être en avance. Tu aimes bien être en avance ce soir? Remarque qu'à ta place, je serais pareil. Les vacances dans le midi, enfin. Quoi, enfin? T'aimes plus Luxembourg? Mais si. Et là-bas, il y a le soleil. Quoi, le soleil? L'année dernière, en 3 semaines, on a eu près de 8 jours de beau temps, alors. Ben oui, mais dans le midi, c'est tous les jours. Oh, ben moi, tu vois, tous les jours, moi, ça ferait trop. Ben puis quand même, maman, on a nos habitudes d'abord, voyons. Ah, ben vous pensez, depuis 36, on n'a jamais été ailleurs. Ah oui, il faut vous dire qu'on a une villa, là-bas, ça vient d'un oncle de ma femme. Mais dites donc, j'y pense, aux parents. Au lieu de nous rencontrer ici, on est à l'étroit. Pourquoi qu'ils viendraient pas sur la Manche à la fin des vacances? La maison est assez grande, hein. Mais c'est vrai, ce serait gentil, ça. Oui, bien sûr, seulement, papa pourra pas à cause de ses pédalos. Quels pédalos? Ben, je croyais qu'il était dans les télévisions. Ben, l'hiver, l'été aussi, d'ailleurs, mais en plus, il loue des pédalos. Eh ben, il laissera tomber un petit bout de temps, ça, il fera des vacances, non? Ah oui, bien sûr. Vous savez pas, je vais lui téléphoner, moi, à votre père. Comment on appelle chez vous? Ben, si vous voulez, je peux vous faire le numéro. Eh ben, allez-y donc. Téléphonez dans l'entrée. C'est pas une bonne idée, ça, les filles, que ses parents viennent là-bas en vacances? C'est une bonne idée si viennent avec leurs enfants. À propos d'enfants, tu ferais bien d'aller te coucher. Non. Oui, ben si, ta soeur a raison, tu vas y aller. Et puis, il y a ton père. Allez. Et prends ta pomme. Bonsoir, ma chérie. Puis dis donc, pas de Spirou, hein? Tu vas éteindre tout de suite, je veux que tu dormes. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon poussin. Allô, papa? C'est Antoine. Oui, ça va très bien. Je te téléphone de chez M. Malouin, il a quelque chose à te dire. Je te le passe. Va faire ta valise, toi. Ah, allô, M. Lartigues? C'est Malouin, l'appareil. M. Malouin, ici Adolphe Lartigues. Figurez-vous que votre coup de téléphone, il me fait bien plaisir. Et que je vous aurais déjà appelé si mon fils Antoine, au lieu de me donner votre adresse, il m'avait donné votre numéro de téléphone. Enfin, je viens au fait. Madame Lartigues et moi-même, nous aimerions vous faire une proposition. Je sais que vous prenez vos vacances dès la semaine prochaine. Je sais aussi par mon fils Antoine, qui le tient de votre fille Marie, que vous avez pour habitude de prendre ces vacances en Normandie. Eh bien, si vous voulez, ces vacances, vous pourriez venir les prendre chez nous. La maison est très grande, enfin, si vous pouvez venir 3 semaines avec votre famille, ça nous comblerait de joie. Vos enfants joueraient avec les miens, et vous et moi, nous pourrions utilement parler du mariage des petits. Oui, mais ce qu'il y a... Il y a peut-être un mais, si vous pouvez pas, et bien on se fera une raison, seulement on vous regrettera. C'est-à-dire que si vous pouvez vous arranger, je serai le plus heureux des hommes. C'est oui. Ben, vous me voyez ravi. Alors on vous attend le jour que vous voulez, vous téléphonez seulement le matin ou bien la veille de votre départ, afin qu'on prépare les chambres et un joli petit dîner pour vous faire oublier les fatigues du voyage. Oui, mais oh, je me réjouis de vous connaître. Mon bon souvenir, Madame Malouin. Dites à votre petite Marie, à Antoine, qu'on les attend demain pour le petit déjeuner. Allez, au revoir et à bientôt. Mais je voudrais... Alors, on va dans le midi? Ben, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? J'ai pas pu en placer une. Alors? Ils viennent. Ouais, ouais. D'accord, on le sortira, mais d'abord il faudra que je suis allé abîmer l'année dernière. Oh, arrêtez-vous un peu. Arrêtez-vous un peu. C'est fini? Oh, moi, mais alors. Alors, monsieur Antoine, quand est-ce qu'il arrive? Il arrive demain matin avec sa future. Alors, toi, tu le repeindras et moi, je m'en chargerai, hein? Ouais, d'accord, moi, je vais le payer à l'opinion. D'accord, je m'en chargerai. Oh! Ben, ça t'a pu respirer ici. Je vous sers, monsieur. Mais je vous en prie, Félicie. Merci. Là. Maintenant, on peut y aller. Moi, je mange. T'es bien nerveuse, dis, ce matin. Bah, il y a de quoi. Et pourquoi? Quand je pense que tu leur as dit que nous avions une maison énorme. Et alors? Ils vont arriver à 5. À 4. À 5 avec Marie. Et où tu le coucheras, tout ce monde? Oh là là. Tu vois, à force de frictionner ce petit, tu vas le rendre aveugle. Enfin, sourd. Mais je voulais dire, chauve. Oh, tiens, avant qu'ils arrivent, moi, je vais m'occuper de tout. Tu vas voir. Eliane, monsieur et madame Malouin, ils coucheront ici. Et seulement, il faut changer le lit. Il fallait prendre celui en cuivre. Tu sais, de mon grand-père qui est au grenier. Le grand. Tu vas pas mettre les parents dans ma chambre? Oui, pourquoi? Tu coucheras avec ton frère, le divan est assez large, non? Il arrête pas de shooter, il rêvait de football toute la nuit. Je veux pas. Tu veux pas? Non. Mais dis, tu veux faire le malheur de ton frère aîné? Tu veux faire louper son mariage avec la petite Marie? Tu veux me faire fâcher avec son père et sa mère? C'est que M. Malouin, c'est un homme sérieux, lui. Et qu'il plaisante pas. C'est un technocrate. Dis, papa, qu'est-ce que c'est un technocrate? Ça te regarde pas.
Qu'est-ce que c'est, ça? Dis, Adolphe, où on va les coucher, les petites? Quelles petites? Ben, figure-toi que les Malouins, ils ont trois filles. Je sais. Hein, on dans la salle de bain. Oui, mais baisse ta radio. Tu m'as toujours pas répondu pour les petites. Les petites balles coucheront sur le lit de camp. Ben, on n'en a pas. J'en prendrai chez Marcel. Il a une boutique pleine de faux surplus américains. Dis, tu es sûr que c'est pas des folies? Dis, l'athlète, tu sais ce qu'il en coûte de plaisanter avec son père, qui est en train d'organiser tout seul un bonheur familial? Et alors pour les lits? On fait comme j'ai dit. Ah, oh, bah après tout, c'est toi qui décides. Heureusement que c'est moi qui décide. Parce que si je t'avais écouté, les Lartigues en ce moment, au lieu d'être sous le soleil du midi, ils seraient là-bas, chez les Malouins, mais dans le nord. Monsieur, madame, les petits, voilà les petits. Les petits, les mon petits. Dieu. Et voilà une bonne pièce. Mon Dieu, qu'elle est belle. Comme je le comprends. Toi, vu la situation actuelle, je t'embrasserai après. Venez. Alors, vous êtes la future Madame Lartigue? Oui, monsieur. Oui, monsieur. T'as vu comme elle a dit ça? Vous permettez que je vous embrasse? Sa mère. Madame, elle est jolie comme une sainte vierge. Mais ce que vous pouvez être blanquinasse. Oh, ça durera pas longtemps, 2 jours sur la plage, et ce sera parti, sa mine de cachet d'aspirine. Pas vrai? Marie, viens voir Félicie, ma Félicie. Oh. Bonjour Félicie. Bonjour mademoiselle. Voilà ton beau-frère, le petit, Henri. Bonjour Marie. Bonjour Henri. Non, ton beau-frère, le second. Moi, c'est Max. Salut Max. Eh, il en manque un, hein? Oh, papa, un ennui. Les ennuis plus tard. Pour le moment, embrasse mademoiselle Malouin. Papa, le Titanic est en train de couler. Le Titanic, il y a un moment qu'il a coulé. Non, non, mais le pédalo, le numéro 12, le Titanic, eh bien, il est en train de couler. Les pédalos, l'article ne coule jamais, ça tu le sauras. Ah, ben, pourtant, celui-là, il est en train de couler. Je te dis qu'il... Oh, ben, t'es bien me voir. J'y vais. Ah, dans tout ça, maman, je sais même pas embrasser. Ne collez pas, on arrive. Ah, vous êtes fort, vous les deux. Mais bourreau d'imbécile, tu n'auras pas remis le bouchon du flotteur. Je n'ai pas retiré de bouchon, mon papa. C'est bien que tu ne l'as pas retiré puisque c'est moi qui l'ai enlevé. Mais tu aurais dû le remettre. Pour le remettre, il aurait fallu que tu me dises que tu l'avais enlevé. Mais j'ai pas besoin de t'avertir de tout ce que je fais quand même. Si je veux enlever tous les bouchons des flotteurs de mes pédalos, ils sont à moi, j'en ai le droit. Oui, tu as aussi le droit de faire se noyer tous tes clients. Ah oui. Mais ils se noient. Il n'y a personne là-bas. Allez-toi, t'en fous moi la paix. Mais tu vois bien qu'on coule. On coule. Venez. Allez. La barque, vite! C'est celle de Corvide! De Corvide? Mais qu'est-ce que je m'en fous alors? Venez nous aider un peu, venez! Papa! Papa! Il y a monsieur Ortiz qui a pris ta barque! Laisse-le, il a fait la barque, tant mieux! Parce que ma barque, j'ai enlevé le bouchon pour qu'elle se vide bien. Alors si l'article la prend, eh bien il coule le ballon. Mais c'est ce qu'il fait, papa! Ah, ça faut pas le rater! Ouh! Papa, il coule! Pas d'affolement, petit, on va les sauver. Ah, mais c'est pas eux qui coulent, c'est nous! Qui nous? Hein? Au secours! Au comme ça, voyons. Mais attends, je veux faire. Mais tu vas tout faire tomber, alors. Mais non. Quoi, ça y est? Oui, ça y est. Ah oui, mais fais attention, hein. Quoi, tu vas encore emmener ces valises, là? Ah, on part pour 3 semaines. Ah, 3 semaines, on se croirait en juin 40, alors. Papa, tiens. Quoi? Mais non, mon poussin, t'as pas besoin de ça, il n'y a pas de crevettes là-bas. Pas de crevettes? Ben alors, c'est pas la mer? Mais si, c'est la mer. C'est la mer Méditerranée, allez. Va, manger. Oui. Ferme bien tout et n'oublie pas la porte de la cuisine, hein. Ben, je vais mettre ça, moi, maintenant, alors. Je vais essayer de corder ça dans le coffre, mais alors. Oh, toi et tes valises, hein, sans blague. Oh, aïe, aïe. Oui, ben, il n'y a pas de place, moi, alors je sais pas où les mettre. Tant pis, je vais être obligé de les mettre sur la galerie encore, mais je sais pas comment je vais faire, hein. Dis, papa, quand est-ce qu'on va arriver? Ah, tu vas pas commencer, mon poussin, hein, on vient de partir. Il y a encore plus de 700 km à faire. Et puis, avec la circulation, à ce train-là, on y est dans 3 jours, là-bas. C'est pas comme pour aller à Luc, hein. Je pense qu'on aurait pu prendre le train, et en plus, ça nous aurait pas coûté un rond.
On n'aurait pas vu le paysage. Bon, le paysage, tu parles. T'as le même tous les soirs à 6h, place de la Concorde. Enlève-lui son petit manteau de laine, puis passe-le-moi pour pas qu'elle le chiffonne. Aïe, aïe, quelle chaleur. Puis la réverbération, alors. Ils ont besoin de demander où ils vont tous. Hein. Ils vont à Saint-Tropez. Là, t'exagères, monsieur. Quand on prend la route de Deauville pour aller à Luc, la circulation est pareille. Oh, bah, je demande bien parlant, hein, parce que pour aller à Luc, on passe par Conches et Bernay, puis ça roule. Ben, fais pareil, prends des petites routes. Il n'y en a pas. On descend sur la Côte d'Azur, il n'y en a qu'une, la Nationale 7, qu'ils appellent ça. Eliane, regarde-moi ce ciel. Juste un peu de Mistral. Ils arrivent par un temps superbe. Hein? Tu trouves pas qu'ils sont beaucoup en retard? Oh non. Ils se sont peut-être perdus. Perdus? Mais comment? J'ai passé les enfants de partout. S'ils arrivent par les Sablettes, il y a Antoine et Marie. Par Saint-Elme, il y a Jules. Et par Saint-Mandrier, il y a Max. Ils ont peut-être pris par les Calanques? Ils sont peut-être allés en Corse. Oh. Alors, comment tu veux qu'ils aillent passer par cette rocaille? Ils sont pas idiots, ces Parisiens, quand même. J'ai entendu un bruit. S'il vous plaît, monsieur, la villa de monsieur Lartigue. Vous tournez à gauche, c'est la villa qui est au fond de la plage. Merci beaucoup. Ah, bah dis donc, les falaises des Trottins à côté d'ici, c'est de la tarte, hein. Pardon, monsieur, la maison de monsieur Lartigue, s'il vous plaît. Mais vous y êtes, monsieur. Et Lartigue, c'est moi. Monsieur Malouin. Oui, oui, c'est moi. Oh, que je suis content. Ma femme. La maison. Eliane, fais le tour de la voiture, là. Aide à descendre madame Malouin et les enfants. Non, 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 ne descendez pas, monsieur Malouin. Je vais vous faire voir où il y a le garage. Hein. Bon. Bon. Je suis bien contente de vous connaître. Mais que voyage, allez, les petits, venez ici. Bonjour, mon Dieu, quelle sorte de belle. Ben, vous en avez une jolie famille, alors, vous savez. Ça, allez, voilà. Là, d'abord. Là, ça y est. Avant. Venez, on va voir. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, là, là. Là, là, hop. Là, maintenant, faites arrière. Là, sur moi. Tout droit, venez, venez. Là, voilà. Là, 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 là. Un peu à gauche, un peu à gauche. Un peu à gauche, là. Allez-y, allez-y, venez. Là, sur moi, là. Voilà, voilà. Là, allez-y, allez-y. Venez, monsieur Malouin. Venez, là. Venez, venez. 75. C'est les Parisiens. Ben, forcément, c'est les parents de la petite. Hein. Rentrez dans ce garage, là. Il n'est pas à moi, le mien, il est là. Là, vous venez là d'abord, on va dans l'autre après. Hop, là, 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 hop. Là, monsieur Malouin, braquez un peu à gauche. Oh non, non. Et vous m'avez dit à gauche. Mais je vous ai dit à gauche, mais à gauche pour moi, mais à droite pour vous, monsieur Malouin. Oh. Bravo. Après le bateau, la bicyclette. Oh, si on n'a pas idée de laisser un vélo sur la route. Après, soyez pas étonné qu'on vous l'écrase. Je vous ferai observer, monsieur l'article, que vous êtes dans ma porte. Oh, je suis désolé, monsieur, mais soyez sans crainte, je vous paierai ce qu'il faudra. Hein. Monsieur, vous êtes bien aimable, mais le vélo du petit, il était déjà cassé. Mais alors, s'il était cassé, alors, de quoi vous vous plaignez? Je me plains que si vous aviez pas fait construire votre garage en face du mien, vous seriez pas tout le temps obligé de rentrer chez moi pour rentrer chez vous. Ne l'écoutez pas, monsieur Malouin. De rien, il en fait une histoire. Allez, on rentre, hein? Là, venez. Tout droit, là, sur moi. Et allons-y, allez. C'est rien, c'est les valises. Ah, si c'est les valises, dites donc. Là, vous pouvez y aller. Oh, bon, c'est pas grave, c'est la vieille valise d'Hélénage. Ah, parce que vous avez porté d'Hélénage. Ah, bah, c'est ma femme. Et maintenant, monsieur Malouin, venez près de moi sous la lumière que je vous vois de près. Alors, beau-frère. Comment ça, beau-frère? Ah, vous ne savez pas que dans le midi, quand on marie ses enfants, on devient beau-frère? Non, mais je trouve ça très gentil. N'est-ce pas?
Alors, beau-frère, comment me trouvez-vous? Eh ben... Non, non, mais franchement, là, très franchement, là... Jeune, très jeune. C'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai que je suis jeune. Mais vous, avec vos cheveux argentés, vous faites encore plus jeune. Alors, on est jeunes tous les deux. Voilà. Mais au fait, je vous ai pas demandé, vous avez fait bon voyage? Oh, ben, un peu scabreux, avec tous les gens qui descendent à Saint-Tropez, hein. Ah, sur la Nationale 7, avec les voitures qui... Oh là là! Je vais vous donner un coup de main, monsieur. Oui, vous allez être gentil, parce qu'il faut descendre tout ça, hein. Oui, naturellement. Vous lâchez le truc, là? Ah, voilà. Elle est lourde, hein? Oui, mais qu'est-ce que vous avez là à parler de vous? Passez-moi le saladier. Non, c'est vrai. Hein? Charmant, c'est tout ça. Tiens, dites donc, Jules, vous voulez pas me passer le temps, s'il vous plaît? Ah non, monsieur Valoin. Lui, c'est pas Jules, c'est Max. Non, merci. Ah bon, le petit Normand, là, c'est Max, alors? Le petit Normand? Ben oui, parce que dites donc, la blondinée comme il est, il a plutôt l'air d'être de la Manche que du Var, non? Ah oui, c'est vrai. Vous n'avez pas connu mon oncle Stanislas? C'était le mien, mon grand-oncle, oui. Il descendait des Suédois, un grand blond. Ah ben, les Vikings. Les Ben c'est ça, Max, c'est un Viking. Ah bon? Ben dites donc, en tout cas, j'ai pas de chance, parce que lui, là, je viens de l'appeler Jules et puis c'est Max. Bon, alors c'est toi, Jules? Non, moi c'est Henri. Oh, vous voyez, monsieur Malouin, si vous me trompez, moi ça m'arrivera pas. Parce que vos filles, moi, je les ai cataloguées tout de suite. Voilà Florence, voilà Sophie. Ah, monsieur, Florence, c'est moi. J'ai perdu. À la vôtre, monsieur Malouin. À la vôtre, monsieur Lardille. De toute façon, monsieur Malouin, d'ici le mariage, vous aurez le temps de les apprendre, les noms. Eh ben c'est vrai, aujourd'hui, c'est presque un repas de mariage. Oui. Oh, pensez-vous? Le jour du mariage, il y aura tous les cousins. Ils sont 17. Oui. Et s'ils viennent tous, ils seront 21. Eh ben, moi qui croyais faire ça à la maison. Oh ben, on s'arrangera. On a le temps de s'organiser, c'est pas pour demain. Hein. Dans 3 mois. 12 semaines. Dites donc, monsieur Lartigue, vous trouvez pas qu'ils sont drôlement impatients, ces deux-là? Ah là, vous avez raison, vous savez, monsieur Malouin, parce que nous sommes horriblement gentils avec eux. Moi, mon père... Oh ben, le mien, non. Vous aussi? Voilà. C'est pas possible. Ah, ben. Max, passe les fruits à madame Malouin. Oui, c'est passe pas les fruits par ici. Hein. Là, tu vois bien que monsieur Malouin est encore en forme. Laissez-la, c'est une enfant. Madame Malouin, je vous en prie. Non, pas de ça. Oui. Parce que moi, vieux, hein. Je parle avec votre mari, monsieur Malouin. Qu'est-ce que vous disiez? Parce que moi, vieux, hein. Oui. C'était un bonhomme qui était baraqué comme ça. Ah non, c'était votre père comme ça. Oui. 3 minutes en retard. Oui. Ah, un peu de liqueur. Bien volontiers. Madame Malouin. Là. Non, monsieur Malouin. Ah, une petite larmichette, je veux dire. Larmichette. C'est drôle, ça. Merci. Un petit aussi. Peu, pas beaucoup, oui, mais... Là, moins, pas plus haut que le bord. Dites-moi, monsieur Malouin, madame Malouin, vous savez, mon mariage, il s'est passé drôlement. Hein? Oui, parce que mon beau-père, il tenait un magasin. Alors, un jour, il me dit comme ça, dites-moi, vous les prenez, ces paquets de lessive? Alors, je lui ai dit, écoutez, moi, je veux bien vous les prendre, ces paquets de lessive pour ma mère, mais alors, moi, je prends votre fille pour moi. C'est vrai que c'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, presque. Ben, nous, quand on s'est rencontrés, lui, il parlait pas. C'était au bal, oui. On a dansé tout le temps. Puis après, il m'a raccompagné. Il disait toujours rien, mais il chantait sans arrêt. C'est vrai ça, M. Malouin, vous chantiez? Et vous chantiez quoi? Oh, ben, attendez donc, je crois que c'était une valse. Qu'est-ce que c'était, non, maman? Oh, je m'en souviens bien, mais l'air, je m'en rappelle plus. Mais c'est en quelle année, ça? Ben, en 35, l'année de notre mariage. Mmh, oui. En 35, une valse? Oui. Oh là là, 35, c'était pas un nom de femme? Si, c'était un nom de femme. Juliette. Ah non, 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 ça finissait pas en Yette. Ça finissait plutôt en Tine. En Tine? Oh, ben, Églantine. Non. Fantine? Non. Ah, Pauline? Non plus, non, non, puis ça parlait de cheveux blonds. Ah, les cheveux blonds, ça me dit quelque chose. Et puis, il y a le titre qui revenait souvent dans la chanson. Oh, ben alors, c'est difficile. Ben, c'est drôle, hein, parce que je l'ai là, au bout de la langue. Bien, moi, je propose d'aller faire un tour dans la Pinède pour retrouver les petits. Ah oui, ça va, vas-y, d'accord. Tu viens? Ben, si ça vous ennuie pas, je vais vous demander la permission d'aller me coucher, parce que j'ai conduit toute la journée, puis j'ai pas l'habitude. Ah, mais vous avez raison, M. Malouin, parce que vous savez, après 700 kilomètres... 800? Oh, raison de plus, alors. Je vais montrer sa chambre à M. Malouin. Merci. Tu viens pas avec nous? Non, il faut que j'aille chez Paul faire une commission, mais je resterai pas longtemps. Ah, bon. Alors, venez, madame Malouin.
C'est à 50 mètres la finette, vous savez. Je ne suis pas allé avec elle parce que moi je préfère passer un moment à faire la conversation avec un ami plutôt que d'aller dans la pinède que je connais parfaitement. Ah, vous avez l'air d'avoir sommeil, monsieur Malouin. Ben, comme je vous dis, hein, vous savez, une journée comme ça, quand on n'a pas l'habitude. Dites-moi, monsieur Malouin, je voulais vous demander une chose. Remarquez, j'y crois pas. Mais, enfin, des fois, j'y crois un peu quand même. Vous êtes un quoi, vous? Un quoi, quoi? Je veux dire, sous quel signe vous êtes né? Ah, moi, je suis né le 17 mai. Taureau? Comme moi, aussi. Ça, j'en étais sûr. J'ai toujours pensé ça, moi. Je suis né un 8. Mais? Oui. Ah ben, dites donc, on n'est pas loin l'un de l'autre. Hein? On est même très près. Vous voulez que je vous dise, monsieur Malouin, je sens qu'on va devenir de grands amis. Comme si on était du même village et de la même famille, hein? Eh ben, c'est bien, oui. Hop! Oh là là! Oh, vous n'êtes pas fait mal au moins, monsieur Malouin. Non, mais je n'ai pas vu le lit. J'étais obligé d'en ajouter quelques-uns. Donc, à vous gêner, hein, monsieur. Oh, mais pas du tout. C'est un plaisir pour nous. Et puis, vous savez, ici, d'abord, on vit plutôt dehors. Et puis, entre taureaux. C'est des lits américains, ça. Hein? Je crois qu'ils ont fait la Corée. Et il paraît que même sous le canon, hein, on dort comme un loir. Hein? Venez, monsieur Malouin. Ah, vous baillez, monsieur Malouin, c'est le signe certain du sommeil paisible dans lequel vous allez sombrer très vite, forcément. L'air est tellement pur ici, c'est que vous savez, il y a de l'altitude. Nous sommes à 14,53 m au-dessus du niveau de la mer. Ah oui, le calme absolu. Oh, vous allez voir, ça va vous détendre les nerfs. Vous allez voir, monsieur Malouin, la bonne nuit que vous allez passer. Le premier contact est plutôt heureux. Connaissant papa comme je le connais, on peut dire que c'est inespéré. À nos pères se plaisent, c'est une chose. Mais est-ce que toi, tu te plais avec moi? Pas mal, oui. Thank you.
terre. Eh ben, j'ai rudement bien dormi, moi. Oh, tant mieux. Tiens, gratte-moi dans le dos, là. Quelle heure est-il? 7h30. Je boirais bien un coup de jus, moi. Eh ben, descendons. On peut pas, ils ont dit le café à 8h, on peut pas descendre avant. Oh, demain, je leur dirai à 7h30. Ah oui, parce que... C'est possible, ça. Non. Ils sont en train de le faire. T'as un peigne, là? Merci. Le voisin, une tasse, va. Le voisin, une tasse, va. Tu sais bien que si j'en bois une tasse, je m'arrête plus. J'ai dit 8 heures, ce sera 8 heures. Allez là, tout le monde, rejoue la dame. Le petit déjeuner, allez-vous aussi, allez, venez, allez, allez. Thomas! Bonjour, chérie. Bonjour, papa. Bonjour, mon petit. Tiens, va te passer un peu d'eau sur la figure. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Ah. Bonjour, maman. Alors, monsieur Malouin, bien dormi? Oh là là. Ah, j'en étais sûr. C'est l'air, ça vous donne un sommeil extraordinaire, vous savez. Ben... Bonjour, madame Malouin. Bien dormi, hein? Ah, oh, c'est formidable, oui. Asseyez-vous à côté de moi, madame Malouin. Ici, vous ne savez pas de cérémonie, hein? Ah. Vous avez du sucre, madame? Oui, c'est des pains de lait. Voilà. Du sucre, d'Olphe. Oui, j'ai sucre, merci. Vous voulez un peu de chocolat? Oui, qu'est-ce qu'il y a? De la groseille, de l'abricot. Là, c'est de l'abricot. Alors, je vais peut-être prendre de l'abricot. Eh bien, elle est bonne. Vous savez, la groseille, elle est très bonne. Bonjour, Roger. Ah, j'essaierai après. J'essaierai peut-être après. Eh oui. Adieu, petit. Une tartine. Tu fais la bise à tout le monde. Ah oui, ça, c'est une amie très gentille. Il rit pas souvent. Il a faim. Ah. Eh ben, veux-tu aller embrasser monsieur et madame Lartigue? Moi, je vais me prendre. Merci. Bonjour, mignonne. Vous allez vous baigner? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, on va y aller. L'eau est bonne, le matin. Salut, Kevin Henry. Salut, ouais. Hein? Bah, on dit ça, mais quand même. Un petit coup d'étude, ça me prend de mal, quand même. Se baigner. Ah, Henri, prends-toi une serviette. Mets ton maillot rouge et prends quelque chose pour ta tête. Alors, ma grande. T'es heureuse? Oui. Tu t'es couchée tard, toi? On a dansé. T'es contente que je sois venue? Oui. Bon, alors dis-le moi, idiote. Parce que je t'aime aussi, moi. Papa, papa, tu viens avec moi, là-bas. Alors, chaise longue, là, à l'ombre, vous serez parfaitement bien pour lire votre journal. Merci, madame Lart. Merci bien. Allez bien, là, hein? Oui. Mais dites-moi, monsieur Malouin, au lieu de vous reposer, allez vous lever ça, là. Mettez-vous un pantalon en vitesse et puis venez avec moi visiter les établissements Lartigue. Allez, venez, là. Allez, allez, venez, va. Avec plaisir. Hein? Oui, oui. Alors, je vous attends là, hein? D'accord. C'est beau, hein, quand même. Un petit peu chaud, mais il fait beau. Ah, il fait chaud, forcément, c'est la saison. Bonjour, patron. Bonjour. Monsieur? On boit rien, monsieur. Essayez-vous. Monsieur Lartigue, je ne me rappelle plus les tarifs de pédalo. 2 francs la première demi-heure, 1,50 francs la deuxième et 1 franc la troisième. Bien. Vous pratiquez les tarifs dégressifs? Ah oui, moi, bénéfice égal, je préfère gagner guère sur un gros chiffre d'affaires que beaucoup sur un petit... La méthode américaine, quoi. Ça laisse beaucoup, les pédalos. Ça laisse rien. Ah bon? Mais j'y perds, même. C'est pas rentable, un métier saisonnier, non. C'est un ensemble. Là, il y a location intra-atlantique de serviettes de bain. Ah, là non plus, je gagne pas. Mais qui dit pédalo, dit coup de soleil. Et là alors, sur la crème à bronzer... Là, je fais mon beurre, alors. Oui, parce que le soleil, ça leur donne faim, ça leur donne soif. Alors ils boivent, ils mangent, et là, on s'arrange. Hein. 2 sandwichs bien épais, 2 coca, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais, monsieur Malouin? Non, vous voyez, un dans l'autre, ça me laisse 3000 francs par mois. Eh oui. Allez, maintenant à la boutique, venez. Venez avec moi, vous allez voir. Vous faire visiter. Ça, alors.
M. Malouin, qu'est-ce que vous dites de ça? Ah, ben dites donc, c'est un beau magasin, hein. Eh, vous savez, ça désempile pas du 1er janvier au 31 décembre, hein. Une ruche. Vous voyez que votre fille, elle ne rentre pas dans une famille qui a une grande fortune, mais une honnête essence. Hein. Oh, mais ça, M. Lartigue, vous êtes sûrement plus riche que moi, parce que... Ah, ben si, vous êtes commerçant, moi, dans le fond, je ne suis qu'un salarié. Hein. Salarié, mais dans les cadres, hein. Dans la maîtrise. C'est la même chose. Vé, le naufragé. Pièce japonaise, montée ici à l'atelier, mais garantie Lartigue. Lartigue plage? Lartigue pédalo? Oui, monsieur, vous connaissez? Connaître est un mot faible, mademoiselle. Votre patron est un naufrageur. Tenez, donnez-moi celui-ci. Ça, c'est une marque confirmée. C'est une marque allemande. Et alors, au diable la rancune. L'heure est à l'Europe. Elle vous marche comme un. Vous êtes charmant, mademoiselle. Charmant. Venez, monsieur Valéon, nous allons visiter le magasin. Venez. Oh, ben, je vais vous attendre dans la voiture, je pourrais vous déranger. Ah, ben, si vous voulez, oui. Montez. Dites-moi, Mireille, donnez donc en prime à ce monsieur qui vient d'acheter le transistor de disques yéyé. Je veux qu'il sorte d'ici ravi. Bien, monsieur, mais on va manger de l'argent. Si on ne profite pas des vacanciers, déjà qu'on ne fait pas grand-chose l'hiver. Ah, je vous en prie, ne discutez pas quand même mes méthodes qui ont fait leur preuve. Hein. Je vous en prie. Je reviens tout à l'heure. Monsieur Lartigue! Monsieur Lartigue! Monsieur Lartigue! Monsieur Lartigue! On vient de téléphoner d'Aix. Ils peuvent pas livrer les ampoules de télévision aujourd'hui. Ils peuvent pas? Bravo. On va y aller, monsieur Malouin. La route est superbe. On parlera un peu, et ce qui fait que cette corvée d'affaires se transformera en partie de plaisir. Allez, à tout à l'heure, petite. Ben, quand elle est née, avec son nez, ses yeux de bonne humeur, je me suis dit, celle-ci, elle est à moi. Sophie, elle, c'est une calme. Oh, maman. Mais si, jamais un mot plus haut que l'autre, et puis sérieuse dans son travail. Hein. Ah oui, serviable à la maison. Et Marie? Marie, c'est tout son père. Mais tellement qu'il y a des jours où je me demande s'il ne l'a pas fait tout seul. Les mêmes pudeurs, les mêmes violences accumulées, et tout d'un coup, blanc. Pourtant, votre mari, il a l'air bien facile à vivre. Hein. Faut le connaître. Mais n'empêche que pour le mariage des deux enfants, ben, si nous n'avions pas été là toutes les deux... Ah, hein... ça, bien sûr. Vous savez, les maris, dans ce genre de discussion, d'abord, ils font les morts, ensuite, ils laissent faire leur femme, et après, mais seulement après, ils poussent les hauts cris. Des gosses, quoi. Et non, des hommes. Vous voyez, monsieur Malouin, moi, après le reste, ce qui me chiffonne, c'est que le volant de la Peugeot, il est un tout petit peu de travers. Oui, je sais, il y en a qui disent... Le volant des Peugeot, il n'est pas de travers, il est de biais. Ben cela, moi, ils me font rire la figure. Je comprends bien ce que vous m'expliquez depuis deux heures, parce que Aix, ça n'a pas commencé au café, ça a commencé au melon. Votre voiture est une pure merveille mécanique et la mienne, c'est une merde. Ah non, jamais de la vie. Ah, non, jamais de la vie, monsieur Malouin. Je vous cherche pas dispute, parce que vous savez, DS ou 404, hein, eh ben, c'est exactement la même chose. Pourvu qu'on conduise tranquille, hein? En père peinard, là. Elle est en train de me faire un caprice. Ouais, chez nous, à Paris, dans la Seine, on appelle ça la panne. Mais on n'est pas en panne, il n'y a plus d'essence. Ah, parce que vous n'avez pas vérifié avant de partir? Ben oui, j'ai fait le plein hier soir. Eh ben dites donc, il consomme. Oui, mais je sais ce que c'est. C'est mon fils Jules, il en aura pris pour son hors-bord. Il a siphonné avec un tuyau de caoutchouc. Alors vous venez, beau-frère? Où ça? Eh ben chercher de l'essence. Ah, parce que vous n'avez pas de jerrycan? De quoi? Jerrycan. Ah, une nourrice? Non. Eh ben, vous voyez, monsieur Lartigue, moi qui n'ai pas de garçon siphonneur, j'ai pourtant toujours un bidon de secours dans mon coffre. Dans le coffre?
Ça doit sentir bon, votre voiture. Écoutez, je ne vais pas vous faire de la peine, monsieur Malouin, mais vous savez, les jurycanes, comme vous dites, ben, ça se renverse et puis ça transpire, ça. Eh ben, figurez-vous que je préfère que ce soit le jurycan qui transpire dans le coffre que moi sur une départementale déserte. Ah bon, 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 ça va, alors ça va. Vous voulez pas m'aider, quoi? Non. Et peux voir. Ah, si vous voulez passer la nuit ici, moi, j'y vois pas d'inconvénient, vous savez. Oh, bah, alors là, je m'en fous, hein. Et maintenant, monsieur Lartigue, je vais vous dire quelque chose. Et quoi donc, monsieur Malouin? Ben, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol? Oui, ras-le-bol. Ras-le-bol de quoi, monsieur Malouin? Ras-le-bol d'être ici, ras-le-bol de ma figure? Ras-le-bol de ne pas avoir de fils ou de la panne d'essence? Ah non, parce que si vous avez quelque chose sur le cœur que vous voulez pas me dire, monsieur Malouin, tous les deux, vous savez, ça peut pas aller. Ah, dites, j'en ai marre. Et puis en plus, je suis pas dans mon état normal. Pourquoi? Vous êtes malade? Non, mais je vous l'ai pas dit, j'ai pas dormi de la nuit. Oh, ce pauvre et cher monsieur Malouin, qui meurt de sommeil et qui osait pas le dire. Je vous demande pardon. Ben, vous n'allez pas à me demander pardon, mais enfin, quoi, vous devez comprendre, pour m'excuser. Ah non, c'est moi. Ah, ça, c'est moi, non? Non, bougez pas, reposez-vous, moi, je me débrouille, allez. Ah ouais, non, non, mais je veux pas vous laisser seul, quand même. Non, non, mais vous fatiguez pas, je vous en prie. Tenez, voilà du monde. Et alors, Artigue? Encore en panne? Pourquoi encore? Ça fait 10 ou 7 fois que je te dépanne. Alors, monsieur Malouin, je fais l'aller-retour et je reviens, hein? Bon, bah d'accord, je vous attends là, hein? Imbécile. Pourquoi tu as dit ça devant le Parisien? Puis, ce Parisien, c'est ton futur copain? Comment tu le sais? Tu l'as dit à tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu attends pour partir? Oh... Il n'y a pas d'or, roule. Je les ai vus passer il y a une heure. Alors, où ils sont? Où ils sont? À la tartane. Ça de pastis, et puis comme ça d'eau. Ce qui m'étonne, c'est que tu ne sois pas toi aussi à la tartane. Nous allons faire dîner les petits avant, hein? Oui, ça, c'est plus raisonnable. Henri! Laurence! Marie! À table! Viens! Danser un peu, c'est bien. Mais danser tous les jours du souper à l'aube, c'est moins bien. Méfie-toi, Félicie, tu feras une mauvaise vieille. Ah, je ne sais pas si je ferai une mauvaise vieille, mais en tout cas, moi, je vieillirai longtemps. Tu verras qu'ils ne mangeront pas une seule fois avec nous. Oh, c'était pas étonnant. Le premier arrivé mange la part de l'eau, ben non, hein. Allez, viens, viens, on va dîner sans ton papa, on l'attend pas. Montre-moi tes mains. Va me laver ça tout de suite. On n'est pas à Paris. Ben, on voulait une réponse. File. Un petit dernier. La rincette. Patron. Envoyez. Hop. À la nôtre. Monsieur, votre courtoisie et le charme de vos vendeuses m'incite à tranquille avec vous. C'est bien aimable, monsieur. Dis donc, j'aurais jamais cru ça. Il est un peu plus chargé que le premier. Qu'est-ce que vous en dites, mon frère? Eh bien, j'en dis, beau frère, qu'il y a tous les parfums de l'Arabie là-dedans. Ah, ça oui, ça vous fermez les yeux, vous ouvrez la bouche et c'est le grand voyage. Sans me vanter, je ne crois pas qu'on en fasse comme ça en Normandie. Tiens, je croyais monsieur parisien. Ah ouais, c'est-à-dire que je suis parisien 11 mois par an, et puis normand 3 semaines au mois d'août, enfin. D'habitude, j'ai une petite maison à Luc-sur-Mer. Quelle mer? Comment ça? Quelle mer? Eh bien, la Manche. À la Manche, oui. Et votre maison, elle donne sur la mer? Eh bien, presque. Ah, presque. Ah, oui. Oh. Remarquez que là-bas, hein, les villas que l'on donne du côté mer ou du côté campagne, comme il pleut tout le temps, hein, de l'eau, il n'en manque pas. Hein. Ça, c'est bien vrai. Moi, en 39, quand j'étais marin au dépôt de Cherbourg, j'ai vu que des parapluies. Oh, ben, je vous demande bien pardon, monsieur. La petite pluie fine que vous semblez confondre avec les chutes du Niagara, nous autres, les connaisseurs, on appelle ça le crachin. Oh, écoutez, monsieur Malouin, je ne veux pas vous faire de la peine, mais rien que le mot crachin, ça me donne mal à la gorge. Hein. Oh, évidemment, ici, pas d'angine. Mais avec ce soleil de plomb sur cette mer qui ne bouge pas, ben, on a mal à la tête. Notez bien que sans être aussi formel que monsieur, moi, je trouve que la marée a un certain charme. Vous vous levez le matin, vous regardez, puis pof, la plage a triplé, quadruplé. Ça vous plaît à vous, ce sable humide comme de la vase? Non, mais notre mer, à nous, elle ne part pas, elle reste, elle est sincère. Ouais, mais moins tonique. Et puis ici, il y a autre chose, elle sent pas. Elle ne sent pas? Non. Parce que chez vous, elle sent. Et elle sent quoi? L'iode. Ah, l'iode. C'est à la vôtre.
Monsieur Malouin, voilà les plus beaux. Ah. Papa, tu me prêtes à la voiture? Eh oui, comme tous les soirs. Tiens, prends-la. Justement, le plein est fait. Eh, où vous allez? Où ils vont? Mais ils vont danser comme tous les soirs. Vous approuvez, beau frère? Moi, j'approuve. Oui, oh, d'ailleurs, si on l'approuvait pas. Ce serait du pareil au même. Oh oui. La rincette? Oui, la rincette. Patron! La même chose. Il est gentil. Oui. Dis-moi, est-ce que tu prends le mariage très au sérieux, toi? Non. Pas le mariage. C'est nous deux que je prends au sérieux. Tu crois qu'on est déjà plus épatins que les autres? Tous ceux qui s'aiment sont mieux que les autres. T'es carré, solide et droite dans ta tête et dans ton cœur, toi. Il a été un peu amoureux de moi. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Tellement jaloux. J'aurais eu des raisons de l'être? Aucune. Vraiment? Ça y est donc, pas comme un fou. Tu voudrais que je t'aime moins? Non. Je voudrais que tu ne fasses pas l'enfant. Il n'y a jamais rien eu entre ce garçon et moi et ton attitude n'est pas agréable. Mais j'aime pas qu'on t'aime. Un Dieu qui s'est merveilleux et vulnérable, un homme amoureux. Hier soir. Bon, alors, attends, je vais te faire la gueule. Oh, Antoine, ça va bien? Marie, tu viens danser? Ouais, non, non. Bon, alors, tu m'as pas répondu, mon petit hors-bord. Tu l'achètes ou pas? Je t'ai déjà dit que oui, mais seulement le moteur. Et la coque, j'en ferai quoi? Du feu, elle est pourrie. Tu me roules pas d'air, dis donc, elle est pourrie, une coque de 5 ans. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit une coque de 5 ans. 12 ans. 5 ans. 12 ans. 8. Dis donc, tu n'as pas vu sur les doigts? Si, il danse là avec Marie. Tu sais, fais comme moi, hein, répète-toi 20 fois par jour, faut se méfier de Charles-Édouard. Excuse-moi, viens danser. Charles-Édouard Dubuis. Bonne Bonjour. Bonjour. Je vous offre un verre? Non, merci. Écoute, Antoine. Ah ben, vous êtes parfait, vous. Alors, non seulement vous me prenez Marie, une Marie que j'adorais, mais
quand je la retrouve, elle est fiancée avec un garçon qui ne veut même pas que je lui offre un verre. Dis-lui de s'en aller. Une minute. Non. Enfin, une minute, vous l'aurez toute la vie. Je crois que c'est toi qui ferais bien de nous laisser. Oh, le champion, c'est stupide. Venez pas vous battre. Il a une mentalité de parachutiste. Barrez-vous. Antoine. Si tu fais une rame pour rien, je te le pardonnerai pas. Lâchez ma veste, de le bagarre, la chiffonne. Un empire fou sur les autres. Marie! 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 Marie, écoute! Non! Toi, écoute. Toute sa vie, maman a tremblé devant papa. Tremblé qu'il soit de mauvaise humeur, tremblé qu'il n'aime pas son potage, tremblé qu'il reçoive sa feuille d'impôt. Alors moi, ce soir, je te le dis sérieusement. Je marche pas là-dedans. Vraiment? Vraiment. Je veux bien être ta femme. J'essaierai même de rester ta maîtresse. Et ta bonne, je ne le serai jamais. C'est tout? C'est tout. Et maintenant, je rentre seule. Eh ben, vas-y. Mais j'y vais, Antoine. Tu vois, encore un petit coup de lime sur les bavures, là. Et puis ça sera plus solide que du neuf, ça. C'est pas Antoine qui s'en va, là? Ouais, ouais, monsieur, c'est lui. Ah ben, il va vite, dis donc. Antoine, il a bougé un peu, la voiture. Moi, je sais où il va. Oh, tu sais toujours tout, toi. Il va voir Juliette, il a téléphoné ce matin. Juliette? La fille du pharmacien de la rue Saint-Ferréol? Ouais. Mais je te verrai très maman. Bien d'ici. On vient, maman. Ah, mais laisse-moi tranquille. Mais viens, maman. Ah, mais je vais me fâcher, tu sais. Elle est adorable. Oh oui, adorable. Dis donc, t'as pas vu Marie, toi? Ben, elle est là-bas, dans l'eau. Ben, pourquoi elle va si loin toute seule? Oh, ben quoi, elle sait nager, non? Qu'est-ce que t'as? T'as l'air soucieux, toi. Moi, ben oui. Mais étale plus. Plus tu étales, plus ça couvre. Plus ça couvre, moins il en faut. Moi, je sais pas, il faut tout vous apprendre. Hein. Monsieur, téléphone, on vous appelle de la boutique. Oh, non, monsieur l'artigue. La grandeur d'un commerce, monsieur Malouin, c'est le renoncement à toute vie privée. Ça, ah, ça. Vous savez. Gilles, je peux parler avec toi. Ah, non, j'ai pas le temps. Oh, arrêtez-moi, ça vient. Allô, Morissette? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Ah ben oui, ben je le verrai cet après-midi. Vous avez qu'à le lui dire, hein? Hein? C'est un gros client qui a une chaîne de magasins à l'américaine, vous savez? Dites donc, monsieur l'artigue, vous connaissez une certaine Juliette? Ah, moi, des Juliettes, j'en connais beaucoup, hein? Oui, mais celle dont je vous parle, là, c'est la fille d'un pharmacien de Marseille. Ah, Juliette Bourrienne! Je connais qu'elle. Elle est délicieuse, d'ailleurs, cette petite. Et entre nous, monsieur Malouin, si votre fille Marie n'était pas arrivée, hein, pour prendre sa place, eh bien, elle épousait Antoine, la petite. Hein. Je comprends bien, ils étaient fiancés, alors. Presque. Un flirt. Vous n'avez pas l'air content, M. Malouin. Je
Oh, c'est pas un crime, tout de même, d'avoir plusieurs fiancés, surtout quand on est un garçon, hein. Oui, bien sûr, mais enfin, j'aurais bien savoir pourquoi il a été les retrouver. Quoi? Antoine est allé retrouver Juliette? Et d'où vous tenez ça, vous? C'est votre gosse, Henri, qui l'a dit à son frère. J'aime pas beaucoup ça. Ben, moi non plus. Il commence à la faire pleurer 3 mois avant le mariage, je trouve pas ça très plaisant, hein. Pourquoi vous l'avez vu pleurer? Non, mais enfin, je me comprends. Ben, vous avez la veine de vous comprendre, parce que moi, je comprends rien du tout. Écoutez, monsieur Malouin, mon fils, il est délicat. Et s'il est parti si brusquement, c'est que votre fille a dû lui faire quelque chose. Oh, je vous en prie, hein, n'essayez pas de renverser les rôles. Pendant que ma gamine est ici toute seule, lui, il est foutu le camp à Marseille pour retrouver une ancienne fille à lui, hein. Oh, n'exagérez pas tout de même. N'accusez pas sans preuve, monsieur Malouin. Tout de même, hein. Tout de même. Alors, ma petite Marie-Laure était bonne? Oui. Vous êtes seule? Et Antoine, où il est? À Marseille. Alors, vous êtes disputée? Oui. Quand ça? Hier soir. Tu pourrais peut-être nous expliquer, non? Pourquoi faire? Parce que je suis ton père et que M. Lartigue est ton futur beau-père et que tu nous fais beaucoup de soucis. Hier soir, à la boîte, j'ai rencontré un garçon qui avait été amoureux de moi. Quel garçon? Un garçon avec qui je suis sortie 2 fois il y a 1 an et demi, tu le connais pas. Antoine a été grossier avec lui sans raison, ça m'a déplu, on s'est disputé. Je suis rentrée seule. Comment ça, seule? En stop? Quoi? Oui, je sais que ça déplaît, mais c'est comme ça. Et puis c'est pas la peine de me dire de monter dans ma chambre, parce que j'y vais. Monsieur Malouin, je constate que si Antoine est parti pour Marseille, c'est qu'il avait de bonnes raisons pour le faire. Vous y étiez, vous, dans la boîte de nuit? J'ai pas besoin d'y être. Elle a avoué. Avoué quoi? Avoué avoir rencontré un garçon avec qui elle sortait il y a 1 an et demi. Pour une jeune fille. Vous n'allez tout de même pas mettre en doute la moralité de ma fille, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire beaucoup de choses. Chez moi, ça ne veut rien dire du tout. Ne le prenez pas sur ce temps, monsieur Malouin, parce qu'alors je pourrais être plus précis. Ben, je vous écoute. Eh bien, puisque vous m'écoutez, monsieur Malouin, il me semble que d'après les propos de mademoiselle, votre fille, elle s'est conduite hier comme une aventurière. Et votre fils comme un goujat? Non, comme un jaloux, c'est pas pareil. La jalousie mal placée, monsieur Lartigue, c'est de la connerie. Et en tout cas, ça n'exclut pas le chagrin qu'il fait à ma fille. Du chagrin à votre fille? Mais j'en connais beaucoup qui pleuraient pas d'être avec Antoine. Notamment la petite Bourrienne. Elle l'aime depuis toujours. Et de l'aimer, ça la fait sourire. Et de plus, elle a une pharmacie. Oh, c'est une belle mentalité. Le bonheur des gosses, pour vous, ça passe au second plan. Ce qui vous intéresse, c'est d'ajouter une pharmacie à vos téléviseurs et à vos pédalos, hein. Vous êtes ignoble. Mais je vous excuse. Quand on a une fille comme vous en avez une... Comment elle est, ma fille? C'est une traînée. Qu'est-ce que vous dites? Émile! Bon, allez, François, hop, les valises, on fout le camp. Allez. Moi, j'ai toujours pensé que M. Malouin, c'était un homme qu'il fallait qu'il se force pour être de bonne humeur. Moi, j'aime pas que les gens se forcent avec moi. J'aime que les gens soient heureux, naturellement, parce que mon hospitalité, moi, elle est sincère. Quand j'ouvre ma maison, j'ouvre aussi mon cœur. Toi, tu me comprends, dis. Mais bien sûr que je te comprends. Mais, au petit, quand il va revenir, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise?
la vérité, comment ça s'est passé, que M. Malouin, il m'a dit des choses désagréables sur lui, alors que moi, je lui ai dit des choses agréables sur sa fille, et puis alors, ils sont partis. Ça, il n'aura pas besoin de lui dire. Il le verra bien tout seul. C'est que ça, ça ne va pas lui faire plaisir au petit. Forcément. Que ça ne va pas lui faire plaisir. Oh, mais Antoine, il est comme moi. Et en ce moment, il est en train de promener à Marseille au bras de Juliette. Tu crois? Non. On va rester à Paris? Mais non, les vacances sont pas finies. On va aller à Luc, comme d'habitude. Oh, c'est aussi bien comme ça, hein? On fera comme si rien s'était passé. Hein, ma grande? Vraiment? Ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Tu crois que ça va se passer comme ça? Bon, enfin, ma fille, tu sais bien que ça ne servira à rien de pleurer, quoi. J'ai aucune envie de pleurer. Tu pensais que tu pouvais te faire écraser? Ça m'est égal. Tu vas tout de même pas retourner là-bas après tout ce que le père Lartigue a dit sur toi, mais non? Je m'en fous du père Lartigue. Et moi aussi, je m'en fous, mais son fils t'a laissé tomber pour aller retrouver mais une c'était fille. Ma faute, je l'avais poussé à bout. Toi, tu l'avais poussé à bout, et pourquoi? Parce que je l'aime. Tu l'aimes, mais tu sais même pas ce que tu dis. Attends. Mon amour pour Antoine, il est à moi. Alors, si tu voulais agir comme une grande, fallait garder vos disputes secrètes et pas forcer à m'emmêler. J'ai rien demandé à personne, ni Antoine non plus, puisqu'il n'était pas là. C'est toi qui t'es jeté dessus. Mais je suis ton père, bon Dieu. Et moi, je suis ta fille. Antoine, je l'ai choisi, il m'a choisi. Et je ne gâcherai pas ma vie parce que M. Adolphe Lartigue et M. Émile Malouin font passer avant tout l'honneur de la famille. L'honneur de la famille, mais ma pauvre enfant dans ce cas-là, on s'en fout de l'honneur de la famille. Allez, viens. Si tu crois te dire de moi quelque chose par la force. Allez, va, ma fille, va. Un peu de calme, non? Alors. Alors Antoine, comment tu vas? Très bien. Qu'est-ce que c'est ces fleurs? Ben, c'est des fleurs, hein. Je l'ai acheté sur le marché à Aubagne en passant. Ah oui? Pour qui? Devine. Je devine? Je croyais que vous étiez fâchés, Marie et toi. Ah, comment tu sais ça? Oui, hier soir, on s'était un peu fâchés, même un peu beaucoup. Plus que beaucoup. D'après ce que m'a dit Marie, ce matin, vous étiez encore fâchés. Marie? Oui, Marie. Elle m'a même dit que tu avais eu une histoire avec un de ses anciens soupirants. Ah, le t'as aussi raconté ça? Oui. Oh, devant moi, ça n'aurait pas été grave. Parce que... je connais les choses du cœur. Mais devant son père, ça a pris des proportions. T'es pas content, M. Malouin? Alors, pas du tout. Surtout quand il a su par-dessus le marché que d'aller voir Juliette. J'ai jamais été voir Juliette. J'ai téléphoné parce que j'étais en colère, et puis j'ai roulé au hasard, et j'ai acheté des fleurs. T'es bien gentil, toi, avec tes fleurs et ta pharmacienne. Mais tu aurais pu prévenir. Et prévenir qui? Je sais pas. Peut-être ton père. Mais en tout cas, Marie. Bon, j'y vais. Trop tard. Trop tard? Oui, trop tard. Elle n'est pas là. Et sa famille non plus. Bon, ben dis-moi où ils sont. Parti. Où ça? À Paris. Papa, c'est la blague la moins drôle de l'année. Elle ne me fait pas rire du tout. Moi non plus. Et tu sais pourquoi elle ne me fait pas rire, Antoine? Parce qu'hélas, c'est pas une blague. Tu veux dire qu'ils ont quitté la maison? Et tu as rien fait pour les retenir? Rien. Mais enfin, papa, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que j'ai voulu t'éviter une erreur. Dans notre famille, Antoine, le mariage, il se pratique qu'une fois. Oh, mais je la quitterai jamais, moi, Marie. Et si c'est elle qui te quitte? Eh bien, je la laisserai pas faire. Mais enfin, papa, tu n'as rien compris. Je l'aime par-dessus tout, moi, cette fille. Et hier soir? Non, hier soir, l'histoire comme ça, on en aura 50. Parce que nous, on est un couple. Tu sais ce que c'est, un couple? Je l'ai entendu parler. Ça m'étonnerait. Dis donc, ta mère et moi. Ça n'a rien à voir. Et pourquoi? Parce que nous, on est jeunes, on a tout à gagner, tandis que toi, tu as l'heure du bilan. Antoine, tu me fais beaucoup de peine. Parce que le bilan de ton père et de ta mère, il est assez joli pour qu'on le respecte.
Où tu vas? Je vais les rattraper. J'ai rien compris. Monsieur Malouin et moi, on est vraiment fâchés. Et Marie, elle s'est emmenée sans rien dire. Marie, elle ne pouvait rien dire. Son père et moi, on s'est dit des choses. Que la pauvre petite Marie, oui Antoine, je l'ai traitée d'aventurière et de traînée. Antoine! Antoine! Ben alors, vous êtes déjà revenu? Oui, mon compte est à l'heure collectionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari ne supporte pas le midi. Pourtant, on dit que c'est une manchouette là-bas. Ouais, ben on a tort. Comme pour beaucoup de choses d'ailleurs. Bon, tu sais, un garçon de 24 ans qui découche sur un coup de tête, c'est quand même pas la fin du monde, hein. Ça va durer un jour, ça va durer deux jours, puis après, tout rentrera dans l'ordre. C'est tout ce que tu trouves à dire. Antoine est malheureux, il se cache, il vient plus à la maison, et toi, tu trouves ça tout naturel. C'est que tu n'aimes pas ton enfant. C'est ça, ça va retomber sur moi, j'aime pas mon enfant. Maintenant. Mais si tu l'aimais vraiment, tu serais pas aussi tranquille. On sait même pas où il est. Mais où tu veux qu'il soit, il est reparti à Paris, certainement, pour essayer de le retrouver, Marie. Alors si tu le penses vraiment, ce que tu dis, mais monte aussi toi à Paris pour le consoler. Bon, je vais monter à Paris. Prendra le Mistral, après j'irai le trouver à son hôtel, et puis je lui dirai, moi, Antoine, s'il n'a pas honte de le faire de la peine à sa mère. Aide-moi, va. Marie, tu viens m'aider? Je suis sûre que tu ne veux pas venir à Luc. Non. Oh, mais n'en reviendrons pas là-dessus, puisque c'est décidé comme ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire tous les deux tout seuls à Paris? Eh ben, je vais essayer de la distraire, et puis avec un peu de chance, hein, deux ou trois jours, on ira vous retrouver. Au revoir, ma chérie, soigne bien ton père. Départ à 16h50, voie numéro 8. Ma voiture, fermez les portières, s'il vous plaît. Quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise? Tu sais bien qu'il y a des cas où ça ne sert à rien de parler, voyons. Hein, ma grande? Viens. Tu te rappelles quand t'as eu ta rougeole? Ta mère attendait Florence, elle était avec Sophie à Luc et puis nous on était restés tous les deux ici comme aujourd'hui. Tu sais ma fille, je voudrais que tu saches que je suis pas là pour te surveiller, hein, au contraire pour t'aider. Parce que si ta mère a été mon premier amour, toi t'as été le second. Et le dernier. Et mes sœurs alors, tu les aimes pas? Bien sûr que si, je les aime, mais c'est pas pareil, vous avez pas le même caractère. Toi quand t'étais petite, t'étais déjà inquiète comme moi, alors pour tes ennuis. Mais je préfère qu'on en parle pas. Pourquoi? Parce que t'as plus de 50 ans. On peut pas se comprendre, on parle pas le même langage. Et puisque toi et moi, on s'aime au lieu de se détester tous les deux. Crois-moi, papa, faut pas en demander plus. T'as peut-être raison, ma grande. Bon, ben alors, continue à mettre le couvercle, puis moi, je vais chercher une langouste pour nous deux, hein.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Antoine Lartigue, s'il vous plaît. Ah, il n'habite plus ici, monsieur. Ah non? Non, il est parti il y a 10 jours, on a même loué sa chambre, mais il ne revient que fin septembre, il est en vacances chez son père. C'est son père? C'est moi, son père. Ah, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Vous avez une chambre? Oui, mais enfin, je vous conseillerais plutôt un hôtel plus tranquille. Ici, nous n'avons que des jeunes et quelques touristes de passage. Vous avez raison. Merci, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Qu'est-ce que monsieur prendra? Un bock. Un bock. Marie. Marie, je suis là, hein. T'es là-haut, ma fille? Allô, les caves du Beaujolais? Oui, monsieur. C'est la patronne? Oui. Dites donc, madame, c'est monsieur Malouin à l'appareil. Vous n'auriez pas vu ma fille, Marie? Ah non. Pourquoi, quelque chose de grave? Ah non, 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 mais je l'avais envoyée en course et je voulais qu'elle me ramène des cigarettes. Ben non, on ne l'a pas vue. Je suis désolée, monsieur Malouin, mais elle n'est pas encore passée. Bien cuit, comme d'habitude. Et voilà. Suzanne, réponds, c'est le téléphone. Excusez-moi. Allô? C'est monsieur Malouin, vous n'avez pas vu ma fille Marie? Ah non, je ne l'ai pas vue. Ma femme non plus ne l'a pas vue. Mais dites donc, je vous croyais tous à la mer. Ben, c'est-à-dire, on était obligé de rentrer, hein. Bon, ben, je vous remercie. Allez, au revoir, monsieur Brunin. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? Antoine est parti. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Vous l'avez pas vu? Pourquoi je l'aurais vu? C'est-à-dire qu'il a quitté la maison il y a 3 jours, alors je suis monté à Paris. Je suis allé à son hôtel et là, on m'a dit... Il n'a plus sa chambre depuis qu'il est parti en vacances. Alors je vous ai téléphoné. Et comme ça, sonnait toujours pas libre... Je suis venu. Entrez.
Il est parti depuis 3 jours. Juste après votre départ. Allô? C'est toi, Émile? Oui? Mais je voulais te dire qu'on est bien arrivé. Et qu'ici, il fait beau. Bah, tant mieux. Florence est déjà au lit. Elle dort. Faut te dire qu'elle s'est baignée en arrivant. Enfin, tout va bien. Et Marie, comment elle prend tout ça? Oh, plutôt bien. Bon. Passe là, moi, je voudrais lui dire bonsoir. Ah, bah, tu tombes mal. Hein. Pourquoi? J'ai envoyé chercher des cigarettes. Bon. Bah, je rappellerai demain. Oui, bah, c'est ça. Prends bien soin d'elle. Oui. Et tout. Mais oui, bien sûr, voyons. Bon, ben alors, embrasse tes filles et puis bonsoir, maman. C'était Madame Malouin? Oui, elle est partie à Luc avec l'aînée et la petite. Mais Marie, elle, elle est là? Elle est là, c'est une façon de parler. J'ai pas voulu le dire à sa mère, mais il y a 2 heures que je l'attends. Le dîner était prêt, elle est partie, puis depuis, je l'attends toujours. Vous savez pas où elle est allée? Si je le savais. Si elle est partie, alors peut-être vous croyez qu'ils pourraient être ensemble? Qui? Antoine et Marie. Puisque vous dites qu'il est parti il y a 3 jours et elle est partie il y a 2 heures. Et puis si elles étaient ensemble, ça ne leur tirerait pas le souci pour autant, non? Vous croyez qu'il voudrait plus nous voir? Oh, ça a pu nous voir. Ah, écoutez, M. Malouin, je ne vois pas disant à sa mère que le petit va plus nous voir. Vous avez peut-être pas eu le temps de vous en rendre compte, mais ce petit, moi, j'y tiens. Et puis, je l'ai bien élevé. Vous en doutez? J'en doute. Non, j'en doute pas. Mais moi non plus, j'ai rien négligé pour Marie. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend? Rien. Si, à se tenir à table, pour jurer, dire bonjour, au revoir, et puis c'est tout. Mais pour le reste. Pour le reste, vous savez, M. Malouin, on n'est pas le bon Dieu. Mais je sais qu'on n'est pas le bon Dieu. Mais on n'est pas dans le même corps, vous vous en foutez, votre Antoine, c'est un garçon, mais moi, Marie, c'est une fille. Et c'est la mienne, je la connais, elle est capable de faire une bêtise. Une bêtise, M. Malouin? Une bêtise pour une simple dispute? Oui, bah figurez-vous que les disputes qui s'arrangent pas, ça fait des drames. Vous ne lisez pas les journaux, non? Écoutez, M. Malouin, si vous êtes inquiet à ce point-là, il faudrait faire quelque chose, avertir le commissariat. Le commissariat, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le commissariat? Monsieur, on prend bonne note et on vous passe un coup de téléphone si on apprend quelque chose. Mais ce qu'ils vont dire au commissariat? Alors c'est terrible, on peut rien faire. Hélas, non. Attendre et regarder la pendule. Faut que j'appelle papa. Oh, t'énerve pas. Tu crois pas qu'il dort? Mais attends d'avoir une fille, toi, puis tu verras si tu dors. Toi, mais où t'es, bon Dieu? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais quand même, mais qu'est-ce que tu racontes, alors? Quoi? Oui. Bon, ma grande. Bon. Ben, au revoir, ma grande. Vous dites.
enfants, vous savez, j'aime mieux ça. Hein. Moi aussi, mais tout de même, tout de même. Dites-moi, beau-frère. Moi, je n'aurais pas un petit morceau. Au point où on en est, je vais chercher une petite bouteille. Bonne idée. Si vous voulez mon avis, le seul accident qui puisse nous arriver, c'est qu'on soit obligé de les marier tout de suite. Oui. Oui, je comprends bien, bon frère. Vous voulez insinuer qu'on risque d'être bientôt grand-père. C'est ça, c'est ça.